La pyramide égyptienne est l'une des structures les plus mystérieuses de cette planète. Personne ne sait quand ils ont été construits, comment ils ont été construits, qui les a construits et surtout, pourquoi ont-ils été construits. Composés de 2,3 millions de pierres, taillées et assemblées avec une précision laser, les pyramides pèsent 6 millions de tonnes. Et pas seulement cela, beaucoup de ces pierres pèsent environ 80 tonnes et ont dû être transportées sur plus de 500 miles. Lorsqu'elles étaient neuves, les pyramides reflétaient les rayons du soleil de telle manière qu'on pourrait penser qu'elles étaient des joyaux géants. Une structure aussi magnifique qui se dresse encore après des milliers d'années est une merveille en soi, et un mystère aussi. En comparaison, l'architecture moderne comme la tour Eiffel ne peut durer que 20 ans si elle n'est pas entretenue régulièrement et avec diligence. Et en tant que telle, la question qui persiste après toutes ces années est de savoir qui a construit les pyramides. Les humains étaient-ils assez capables de construire quelque chose d'une telle échelle? Ou avons-nous reçu une aide extérieure? Et pourquoi était-il si important de le construire? A-t-il servi un but plus important? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous vous emmènerons dans un voyage à travers le temps pour découvrir quels secrets les pyramides détiennent qui ont déconcerté même l'esprit du grand Nikola Tesla, et comment il était si près de le reproduire pour créer de l'énergie gratuite pour le monde entier. Située dans la zone des boucles d'or d'une étoile plutôt solitaire et insignifiante, la Terre accueille Nikola Tesla, des milliers d'années après la construction des pyramides. Et comme nous le savons, Tesla allait devenir l'une des personnes les plus influentes à avoir jamais vécu sur cette planète. Cet enfant parlerait couramment 8 langues, effectuerait des calculs intégraux et différentiels dans sa tête et récitait de mémoire tous les poèmes épiques sibériens. Il continuerait également à inventer le barrage hydroélectrique, l'éclairage au néon, la radiocommande, le moteur électrique et à expérimenter l'ingénierie cryogénique, des années avant qu'elle ne devienne publique. Il découvrirait également la fréquence de résonance de la Terre, quelque chose qui n'a été confirmé comme étant correct que 50 ans plus tard. En fait, les contributions de Tesla à l'humanité sont si vastes qu'il est directement responsable à 80% de la technologie que nous utilisons aujourd'hui. Tesla croyait que les pyramides de Gizeh servaient un objectif plus élevé et les a étudiées tout au long de sa vie. Il s'est demandé s'ils n'étaient pas des émetteurs d'énergie géants, une pensée qui a coïncidé avec son enquête sur la façon d'envoyer de l'énergie sans fil. Il s'est rendu compte que l'ionosphère scintillait d'énergie électrique, qui pouvait être exploitée. Il a regardé la Terre comme s'il s'agissait d'un générateur électrique géant, tournant autour de deux pôles magnétiques, à partir desquels une énergie illimitée pouvait être produite. Avec cela, en 1905, Tesla a déposé un brevet aux États-Unis intitulé « L'art de transmettre l'énergie électrique à travers le milieu naturel », décrivant les conceptions d'une série de générateurs à travers le monde qui exploiteraient l'ionosphère pour les collections d'énergie. Sa conception en forme de triangle est devenue connue sous le nom de pyramide électromagnétique de Tesla. Mais voici la chose. Après sa mort mystérieuse, sa découverte et son appareil ont disparu. Ce qui vous fait vous demander, Nikola Tesla a-t-il vraiment trouvé un moyen de générer une puissance illimitée? Connaissait-il vraiment le secret de la Grande Pyramide? Lorsque Tesla a reçu 150 000 $ de JP Morgan pour construire sa station sans fil, ce dernier s'est assuré qu'il avait 51% d'intérêt dans l'entreprise ainsi qu'une part de 51% dans les brevets sans fil actuels et futurs, développés à partir du projet. C'était plutôt étrange de la part de Morgan d'investir dans quelque chose qui entraverait directement l'économie et serait fatal à ses autres produits. Le système de Tesla aurait alors plongé le monde dans une profonde récession, peut-être une dépression très profonde. Une grande partie de l'économie reposait sur la construction du réseau électrique et la production d'électricité, offrant toutes deux d'énormes nombreuses sources de revenus et d'emplois. Le sans-fil éliminerait cela avec les centrales électriques. Le système électrique conventionnel créant une source de revenus s'effondrerait. Le système électrique innovant de Tesla devait être arrêté de toute façon, à tout prix, parce qu'on ne pouvait pas faire confiance à Tesla, parce que Tesla inventait en dehors de la zone de confort des capitalistes, parce que Tesla était juste différent. Mais JP Morgan et Tesla étaient amis, n'est-ce pas? Pourquoi ferait-il ça à son ami? On dit que Morgan, Edison, Marconi et bien d'autres n'étaient que des marionnettes entre les mains de quelque chose de très puissant. Mais ce sujet est pour un autre jour, et nous promettons que nous y travaillerons bientôt.
pour l'instant cependant, revenons à Nikola Tesla et aux pyramides. On pense que la pyramide de Gizeh est une tombe construite pour Khufu, le pharaon égyptien de la 4e dynastie, qui a régné il y a 4500. Pourquoi n'a-t-il aucune caractéristique des autres tombes égyptiennes? Il n'y a pas de hiéroglyphes, d'artefacts ou d'art mural élaborés. En plus de cela, des momies n'y ont jamais été trouvées, cependant, beaucoup soutiennent que le sarcophage en granit, trouvé dans la chambre du roi, contenait autrefois la momie de Khufu, qui a ensuite été pillée par des voleurs de tombes. Vous voulez dire que cette architecture fascinante, qui déconcerte encore les experts de nos jours, n'avait pas de protection contre le vol et le vol qualifié? Sûrement, quelque chose comme ça, le lieu de repos des rois et des reines, serait fortement gardé. Merveille architecturale. La taille des pyramides est alignée avec une telle précision que seule l'ingénierie humaine moderne peut l'égaler. La majeure partie de la grande pyramide est construite en calcaire nummulitique, les blocs bruns rougeâtres que nous voyons aujourd'hui. Bien que ces roches soient abondantes près du site, les constructeurs de la pyramide ont utilisé des matériaux étranges qui ont dû être amenés à près de 500 miles de distance. Le côté extérieur de la pyramide était autrefois recouvert de calcaire blanc brillant, poli, lissé et assemblé si étroitement qu'il ressemblait à un énorme bijou. Comment ils ont réussi à transporter des milliers de blocs de pierre de 10 tonnes, ça me dépasse toujours. Maintenant, écoutez ceci, un type rare de granit appelé granit rose a également été importé de grande distance, car il contient une forte concentration de quartz, également appelé dioxyde de silicium. Pressez quartz et vous pouvez faire circuler l'électricité à travers eux. Et devine quoi? Les murs et les chambres à l'intérieur de la pyramide sont en quartz. Avec la bonne quantité de pression, la grande pyramide pourrait générer une énorme quantité d'électricité. Dans le documentaire de Netflix de 2016, The Pyramid Code, des archéologues et des théoriciens affirment que les anciens Égyptiens sont venus dans la grande pyramide pour obtenir une énergie plus saine. De nombreux récits de ceux qui ont fait l'ascension ardue jusqu'au sommet de la grande pyramide impliquent des changements d'énergie minuscules mais perceptibles, des sensations de picotement dans les extrémités du corps et même des cas de décharge électrique. Grimper au sommet de la grande pyramide est désormais illégal, mais à la fin des années 1800, un inventeur britannique du nom de Sir William Siemens a atteint le sommet plat et stable. En atteignant le sommet, l'un de ses guides a remarqué que lorsqu'il levait la main avec les doigts écartés, ses oreilles captent un son strident. Siemens a alors levé un index et a senti une sensation de picotement émanant de la pointe et se propageant à travers sa main. Peu de temps après, l'inventeur est allé se désaltérer avec une gorgée de vin festive et a reçu un choc électrique de ses lèvres touchant la bouteille. Le documentaire suggère qu'il s'agissait de pyramides d'énergie créées pour conduire l'énergie ou modifier les fréquences sur de vastes étendues de terre. La seule chose qui manquait à la grande pyramide de Gizeh pour fonctionner comme une centrale électrique était une source d'énergie. C'est pourquoi les anciens constructeurs de la Grande Pyramide ont profité de l'eau du plateau de Gizeh. Le plateau de Gizeh où se trouvent les pyramides regorge de canaux d'eau souterrains. Cela signifie que le débit d'eau important qui traverse ces cavités souterraines est capable de produire un courant électrique, appelé physioélectricité. La physioélectricité peut être définie comme l'électricité obtenue à partir des mouvements physiques naturels à l'aide de certains dispositifs d'attelage. Même la forme de la pyramide elle-même amène certains à croire que les centrales électriques, pyramidales étaient et sont possibles. Pourtant, il reste beaucoup de questions sans réponse concernant les nombreuses théories sur la manière dont elles auraient réalisé ce processus. Pour en revenir à Tesla, sa tour Wardenclyffe a été construite au sommet d'un aquifère avec des tiges de cuivre et de fer s'étendant dans l'eau. Ensuite, l'électricité envoyée dans la tour serait transmise à travers l'atmosphère, autour du globe. La pyramide est également construite sur un aquifère et des tuyaux de cuivre et des tiges de fer y ont récemment été découverts. Si la pierre angulaire était en or, l'énergie concentrée à l'intérieur de la pyramide aurait été attirée vers le haut et transmise à l'atmosphère. Le système de distribution d'énergie sans fil de Tesla utilisait la résonance de la Terre tout comme la pyramide pure. Et tout comme elle, l'énergie générée par la tour de Tesla serait illimitée et propre et pratiquement gratuite pour tout le monde sur la planète, mais la tour de Tesla a été détruit, et personne ne sait qui l'a fait, mais vous pouvez facilement dire que le mobile était la malveillance. Imaginez à quoi aurait ressemblé le monde aujourd'hui si Tesla l'avait mis en œuvre avec succès. L'alunissage a peut-être eu lieu il y a des décennies, la Seconde Guerre mondiale a peut-être été évitée et la société humaine a peut-être été bien plus en avance que là où nous sommes actuellement. Qu'est-ce que vous avez à dire? Déposez vos commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner à Très Curieux, en savoir plus, découvrir plus.